Nous voulons l'aiguiser. Nous voulons l'aiguiser. Nous voulons le respect. Nous voulons le respect. Nous voulons l'aiguiser. Nous voulons l'aiguiser. Nous voulons le respect. Nous voulons du respect. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bella Diallo. Nous arrivons ici pour l'aiguiser et le respect. Parce que pour l'aiguiser, c'est mieux pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Parce que pour les rendez-vous, l'hôpital, la commune, partout le rendez-vous, ce n'est pas facile pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Nous voulons l'aiguiser. Nous voulons l'aiguiser. Nous voulons. Aujourd'hui, 11 associations d'Anderlecht, leur direction, leurs travailleurs, leur public, des femmes et des hommes qui affrontent la violence du système qui les frappe de plein fouet en étant debout, ont décidé d'agir collectivement. Nous voulons des guichets. Nous voulons du respect. Nous voulons des guichets. Nous voulons des guichets. Nous voulons du respect. Le guichet, on voulait les guichets. On voulait les guichets. Le guichet, les ouverts, c'est bon pour nous. Si tu ne connais pas d'écrire ni lire, comment tu vas faire? C'est pas facile encore. Maintenant, on voulait les guichets. Si les guichets ouverts, c'est tout, beaucoup pour tout le monde. Où est le respect envers les citoyens? Quand nous réclamons depuis des mois des guichets pour accéder à nos droits sans être entendus. Nous voulons du respect, nous voulons des guichets. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas dire générique. Je veux les guichets. Je veux les guichets. Je veux les guichets. Je veux les guichets. On voulait les guichets. Pour nous, pensez à nous qui ne connaissons pas lire ni écrire, pensez à nous, on voulait les guichets. Ouais, on voulait les guichets. Ouais, les guichets. On veut les guichets. On veut les guichets. Alors, monsieur le roi, vous êtes prêts? Ouais. Alors, monsieur le roi, aujourd'hui, grâce à vous, nous allons voter une loi pour défendre l'accès humain à nos droits et à tous les services publics avec des guichets humains. C'est bien ça? Ouais. Est-ce que vous pouvez donner trois coups de marteau, madame? Encore. Deux. Et trois, c'est voté. Bernard Claire Failly, mesdames et messieurs les ministres du gouvernement bruxellois, que devons-nous faire pour être enfin entendu? Chers amis, je vous donne rendez-vous le jeudi 27 avril à 14h30 pour un grand rassemblement devant la maison communale de Molenbeek.